Coucou les abonnés, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Regardez ma belle aubergine. Elle est belle, hein? Bon, ben nous allons revenir à ce que je vous avais expliqué. Sur un pied d'aubergine, nous devons avoir au maximum 4 ramifications. 1, 2, 3 et 4. Donc, lorsqu'on fait ça, voilà ce qui se passe. Mais le pied est aéré. Le fruit pousse en toute liberté, les feuilles sont magnifiques, parce que rien ne touche, c'est beau, il y a de la place, il y a de l'air. Ça circule, donc ben, ça ne limite pas du tout la floraison sur le coup. Vous voyez? Et ça monte, et ça monte, et ça monte, c'est magnifique. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vous ai gardé pour vous. Donc ici, on a toujours une aubergine qui est superbe, hein, mais je dirais même qui est fantastique. Mais qui a un très gros défaut. En fait, ici, cette aubergine, je n'ai pas coupé. Je n'ai pas ramifié. Donc, elle n'a qu'un seul pied central, qui est ici, avec un rejet ici et un autre rejet là. Et voilà le problème. C'est que ce petit rejet qui est rikiki là, mais qui est tout en bas du pied, nous bouffe tout pour tout le haut. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Celui-là, il faut le couper. Pas aujourd'hui, parce que maintenant, j'ai un fruit. Donc, je vais attendre qu'il grossisse un tout petit peu pour pouvoir en faire quelque chose. Et je vais couper ici. Et nous reviendrons sur ce pied pour voir à quel point il aura pris de la montée. Parce que là, par rapport aux autres, il est tout petit en hauteur. Voilà, mes amis, vous savez tout. Je répète, on coupe les ramifications au bas du pied afin de laisser un pied aéré. On ne garde que 3 ou 4 ramifications maximum, mais celles du bas du pied, on les enlève, elles pompent aux fruits. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, je vous fais un gros bisou, à bientôt, salut.